Coucou, nouveau vlog. Grosse journée déjà depuis ce matin. On a fait donc montage du sommier. Là, Eric est en train de faire mon chiffonnier. Il y a plein de pièces. Les tiroirs, en plus, il est assez haut. Il doit faire 1 mètre, un truc comme ça. Il fait tous les tiroirs. Il est en bas, là, dans la courette. Et moi, j'ai monté mon vlog. Je vais aller manger après. Et là, j'étends le linge, si vous voulez tout ça. Comment? Ah. Voilà, là c'est toute la construction de mon meuble. Ah, ça prend forme, hein? Mais je crois que c'était ça le plus chiant, non? Tous les tiroirs. Oh, tout est chiant. C'est vrai. Il n'y a pas de règles. Qu'est-ce que t'as, toi? Hop, ouais, parce qu'on a installé un nouveau sommier, comme je vous disais. Moi, je veux manger parce que 13h58, je me suis pris ça ce matin. J'ai très mal à l'intérieur de la cuisse. Comme si on me mettait des coups de béquille, je pense, à la circulation. Et j'ai eu peur avec la pilule. On ne sait jamais, mais bon. La mienne, normalement, il n'y a pas de risque. Ah, j'avais oublié, on a les pizzas d'hier. Chérie, tu vas manger ou pas? Il y a les pizzas? Pourquoi tu m'as demandé si j'allais chez Jiffy? Vas-y. Voilà. Oh là! Ah oui, d'accord, tu es en mode. Tu es en mode, on Télévision. va recouvrir ça. Pour changer. En ce moment, je suis capoute. Mais capoute. J'ai fait la petite sieste. En plus, on a changé le sommier. Je tiens plus debout. Je me suis allongée encore 20 minutes. Ouais, une demi-heure cette fois-ci quand même. Il a pas pu s'empêcher, mais il était mignon. Il était mignon. Il a pas réveillé sa maman. Il est tout doux. Mais tu es tout doux, mon fils. Et Eric a monté chiffonnier. Et c'est vrai que c'est très haut, très grand. Mais je vais tout agencer. C'est surtout, bah, ça va. Ça va me faire plein de place, quoi. J'ai quand même pas mal de choses à ranger. Eric est venu et il m'a dit, est-ce que tu comptes aller chez Jiffy? Donc, je vous avais dit, hein, j'ai reçu une nouvelle carte en partenariat. Pire que moi, là, en ce moment. Il a besoin de quelques petits éléments, pas déco, mais un peu quand même, genre des boîtes de rangement, ce genre de trucs. Il est à fond dedans, déjà pour la courette. Il est sur pas mal de petits projets pour la courette, ce qui est très très bien. Pour cette pièce également, il veut un paravent, je crois. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui... Ah oui, il m'a dit je veux une ambiance très summer dans la courette. Il me faut une nappe et tout, des petits éléments déco. Ah ouais, je vous dis, il est au taquet. On va y aller. Eh, c'est quoi ça? Elle n'est pas contente? Elle n'est pas contente, Jackie? Il n'aime pas parce que c'est pas... Bah, c'est pas l'habitude. Normalement, je suis en train de bosser, mais maman, elle est capoute parce que maman, elle a fait... Il y a eu 3 soirs où elle a fait la fête. Et maman, bah, elle tient plus. Et puis, elle se lève très tôt. J'en ai marre, ça. 7 heures, je suis réveillée. 6h30 parfois. Et vu que je me couche pas avant, je m'endors pas avant, vers 1h du mat. Donc, autant dire 5 heures de sommeil, moi, ça ne me va absolument pas. Faut que je retrouve un rythme. On y va, bébé chat? On y va. Oui. Qu'est-ce que c'est? Ah ben non. Tu veux jouer, c'est ça, ou tu veux goûter? Maman, elle sait plus. Ouais, donc on a changé en fait un petit peu. Tac, tac, tac. Ça sera un truc central pour. C'est la chambre hein, du fils d'Éric, au fait. Il y a ça aussi qu'il faut qu'on fasse, genre un coffrage pour cacher tous ces fils. Ça me saoule, ça, les fils. What? Tout ça, bah, ça n'a pas changé. Quoi d'autre? Bref, il y a encore plein de trucs à faire. Plein. Allez, je vais découvrir ma pomponnière. Allez, ouais, tant qu'il est là, le lit, il est mis comme ça. Un petit lit. On est d'accord, hein, moi, les vlogs, on est sur de la vraie vie. Hein, je vous montre tout. J'ai fait une sieste. Attention. Putain, j'ai eu peur. Regardez. Il a dû bouger tout et j'ai cru qu'il y avait un vrai chien. Ah oui. Ah bah oui, ah bah oui. C'est très grand. Mais moi, je suis très contente. Bah, je vais bouger les choses. Hein. Alors là, si j'ai pas de quoi tout ranger. Il est beau, hein? Donc ça va être mis là, bien sûr. Enfin, je pense que je vais devoir enlever ça ou déplacer. Il fallait que ça colle parce que l'étagère, celle-ci, je compte pas l'enlever du tout. Donc il aurait pas fallu qu'elle soit plus haute. Super, je vais la mettre. Pas mal du tout même. En plus, je reste pas bien loin. Hein. Tac, je suis là, je me prépare. Je prends mes petites choses. Ça, il va falloir que je les vire. Mais bah, trou quoi. Tant pis. Tant pis, je vais reboucher ça, c'est pas bien gênant. Et j'ai préféré mettre ça
Sur ce mur, je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux. Donc là, évidemment, je vais laisser libre. Et mes autres petites photos, bah, sera là. Voilà. Pour l'heure, bah, on va y aller. Tu l'écoutes avec les paroles, tu Ouais. l'apprends par cœur. Ouais. Moi, je l'apprends par cœur au piano. Ok. C'est très simple. Et après, par exemple, c'est quand on se dit, hop, oh, vous D'accord. jouez jamais un morceau, on fait, bon, ok, on vous joue un morceau. D'accord. Après, on se tire. Ok, je veux bien essayer de l'apprendre. J'aime bien les challenges comme ça, d'accord. Mais c'est une chanson. C'est Carrie, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, et on Okay. y va, donc c'est Bon, c'est à moi. Jiffy, tout ça, mais d'abord on a rendez-vous à la déchette parce qu'on enchaîne, enchaîne. Bah, avec tous les cartons, remarque, on a un meilleur. Je me suis mise comme ça parce que bah, il fait lourd, il fait frais, il fait lourd, il fait frais. Oh là 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 là, oh là là, regarde. Bon, bah attends. Attention à ta tête. Nous voici encore en immersion là. Déchetterie. Oh là là. Ça c'est mobilier aussi. Ou c'est ferraille, un mobilier. Après, c'est vidé un maximum. Vas-y. Putain, j'ai froid là. Bon bah en fait c'est hyper plaisant de tout vider comme ça. Hein, ça fait du bien hein, de tout vider. Direction Jiffy ou. Des idées de génie. Jiffy, du coup? On va pas nous faire de la photo, quoi. Nous sommes rentrés. On est allé uniquement chez Jiffy. Ah, vous allez voir un petit peu. Allez-y, hein. Il y a des promos très 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 intéressantes. J'ai utilisé la carte. On a trouvé des éléments essentiellement trois quarts pour la courette. Le seul élément, c'est encore un éclairage pour la petite chambre. Je vous montre. Nous avons pris une nappe ambiance un petit peu summer, mais plutôt espagnole. Pour mettre là, toile cirée, c'est au mètre, ça coûte pas cher du tout. Très sympa, franchement. On a pris également ça pour si jamais il y a du vent. Il y avait soit, on a pris transparent, il y avait que métallique également. Et, tadam! Notre palmito! 79,99, il y a encore le prix. Je me recule, t'as vu le jack, il est en Il y a une mode panthère en qui est moi. pas ça. Tu peux même sortir les petits sièges là, peut-être, pour qu'on se rende compte. Ça va être hyper sympa, le soir notamment. J'espère juste parce que lui, il adore bouffer les plantes, c'est pour ça qu'il n'y a jamais de plantes, et même les fausses parfois. J'espère pas. Nous avons également trouvé cette caisse de rangement pour justement ranger tout ce qui est accessoires, comment ça s'appelle là? Oh, les. Oh, bref, accessoires de jardin. Il est très très chouette. Nous avons. Combien tu l'as? On l'a payé celle-là? C'est quoi? Oui, elle était à 20 euros, mais elle est passée en promo. Ça, trois petites caisses, ça c'est pour ton bureau, non? Non, c'est pour ranger des vis. Des vis, tout ça pour ton bureau. Donc très pratique également. Ceci à 4 euros toujours pour la petite chambre. Ah oh, mais t'as craqué toi, carrément le siège. Lampe stickers murales, voici le motif. Donc on va voir ce que ça donne. Ça va être hyper sympa, vraiment je pense. La courette n'est pas du tout terminée là, de Non, je suis pas nettoyer, de tout dedans, ça. j'ai des traces de moi. Oh, il y a encore tout à faire. Il est Oh. beau, hein? Il doit faire combien là? Il est plus grand que toi? Toi, tu fais combien? 1 Non, mètre? il fait 1,80 Tu fais m. 1,92 m? Je suis 1,90 m. Non, 12. Oh, 10, attends, je vais passer. Tu te tasses? Allez, j'ai vu Oh! ça ce matin avec le sommier. Oh, il fait 2 mètres. Il fait 2 mètres. Il fait 2 mètres. Changement de programme. On vient de se prendre le petit, on s'est pris un petit smoothie. Et on s'est dit, parce qu'en fait, les deux chaises que vous voyez, c'est que des chaises de bureau, qu'il faudrait un petit peu des chaises pop, colorées, un peu effet fauteuil. Et vu qu'il y a des soldes de ouf, c'est le moment. Gary, il dit, on boit notre smoothie, on y va. Donc, ça veut dire que, bah, on y va. On va aller chez Brico Leclerc. Il y a moyen, il y a moyen. J'ai oublié mon masque, et ça, c'est pas cool. On est chez la Farfouille parce qu'on n'a pas trouvé là-bas la Brico. On va peut-être trouver dans le côté un peu pop. Et voilà les petites chaises. Hyper sympa. C'est ça, hein? 19, ouais. 18, 4, ouais, voilà, 19 la chaise. Enfin, moi, j'ai voulu toi aussi, hein, tu me diras, dépareiller. Je trouvais ça plus sympa par rapport à ce qu'on voulait faire comme petite ambiance. Très chouette. Et il nous restera une chose qu'on a vue chez Jiffy. On avait hésité, mais je pense qu'on va prendre. C'est un éclairage. Très sympa ambiance. Avec là, on va venir piquer là-dedans. C'est un peu solaire et on hésite entre deux éléments, mais ah, on va les prendre. Hein. Ça fera trop bien et on mettra ça sur là. Là-dessus. Sur là. Je vous reprends un peu plus tard. Il est 20h17. J'ai fait
beaucoup de montage là pour m'avancer parce que demain midi on mange à l'extérieur. Ouais, donc il fallait que je m'avance, ça c'est sûr. Concernant la chiffonnière, vous verrez, on fera ça ensemble. Donc là, j'ai pas eu le temps hein, forcément, mais on fera tout ça ensemble, le rangement, le tri. Le dressing, il n'est pas encore monté, mais je vous avais dit, on prend le temps de faire les choses. Ça reste aussi un plaisir. Si tu fais tout d'un coup, bah voilà quoi. La courette, on attend avec Eric avec impatience ce soir d'allumer, voir un peu l'ambiance, sachant que l'élément lumineux qui fait un peu lunch, bar branché, il y a les mêmes choses, donc je pense qu'on le prendra parce que vraiment il nous a tapé dans l'œil et je pense que ça va faire un plus. Le problème qui se pose comme très souvent en ce moment, vu qu'il est 20h10, 8, oui. Flemme, qu'est-ce que je vais faire à manger? Bon, bah Eric voulait aller au resto. En même temps, je me dis que si on était parti en vacances, ça serait quasiment resto tous les soirs. Merci. Si tu veux, je vais me goûter. On se retrouve dans un bistrot. Nous sortons du restaurant et bah vous l'aurez compris, je vais terminer maintenant ce vlog et très certainement enchaîner, je sais pas, demain. De toute façon, il y a encore plein de choses que je dois vous montrer. Je vous fais un gros bisou. Salut !